Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien.
stayed for someone. It wasn't worth the wait. I'm counting down the days. I know when I'm moving onward, I just wanna trust in your word. But we're running out of time. We were doing alright, holding on but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground running, closing off all the world in the light, coming in, bending before we break.
On swing. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites quoi là ici là? Coucou. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toi qui regarde ce stream. Bienvenue à toi qui regarde cette VOD. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez la forme. Nous sommes le 4 janvier 2023. Oui, 2023, mesdames et messieurs, car nous avons passé la nouvelle année. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais grand événement mondial. On a passé une année en plus. Genre, on n'est plus en 2022, on est en 2023. Bien le bonsoir, BB Pixel & Co. Nous sommes donc le 4 janvier 2022. Et un 3, je vais y arriver. Et aujourd'hui, c'est la Saint Odilon. Donc, saucisse à tous les Odilons. Saucisse. Et ce soir, on va faire la suite de The Walking Dead. Ça a Odilon sur ce qu'on aime bien comme jeu. Bon, alors, ceci étant dit, on va pas tarder. Les nouvelles aujourd'hui, c'est quoi? Les nouvelles, c'est... on est le 4 janvier. J'ai rien comme nouvelle aujourd'hui. Et on est accompagné de... On sait pas qui, on connaît pas encore son nom. Il est où? Il est là. On est accompagné de... On sait pas son nom. L'anniversaire dans tous les recoins. C'est presque tous les ans qu'on a l'anniversaire. Grâce à cette année, c'est la joie, c'est pratique. C'est au moins un principe à retenir pour faire la frite. C'est la... La. Cette année, c'est bien, l'anniversaire tombe à pic. Merci. Point d'exclamation, hello. Merci énormément à Clémenti 3-1. Merci énormément à Clémentis, third one, pour son 12e mois d'abonnement. Mesdames et messieurs, c'est le premier, mis à part moi, mais bon, moi on ne me compte pas, c'est le premier abonnement arrivé à 12 mois, un an. Un an, il arbore son magnifique petit badge, petit dino. J'espère que ton Ceratosaurus va bien, parce que Clementis est un heureux papa d'un petit Ceratosaurus depuis ses 9 mois d'abonnement sur la chaîne. Donc voilà, j'espère qu'il va bien. Ça fait 3 mois, il a 3 mois. 9, 10, 11, 12, oui c'est ça, il se 3 mois, il est né à 9 mois d'abonnement, donc il a 3 mois, j'espère qu'il va bien. Et salut Clem, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme, bienvenue à toi, installe-toi confortablement, comme vous toutes et tous, installez-vous confortablement, nous allons continuer ce quatrième et dernier épisode de... L'ultime saison de Clementine sur The Walking Dead, A Telltale Series. J'ai hâte. Oh, je suis content. Un an d'abonnement. Par contre, je comprends pas. En fait, il y a un truc que je comprends pas. Éclairer ma lanterne. J'ai pas vu avec Twitch encore. Il va falloir que je leur demande. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Nous sommes affiliés depuis avril. Je crois que c'est ça, je crois que c'est avril. On est affilié depuis avril. Quand on passe affilié, on peut s'abonner à une chaîne. Ok ? Donc on peut s'abonner à ma chaîne depuis avril.
Pourquoi est-ce que aujourd'hui, en janvier, seulement 9 mois après mon affiliation, il y a des gens qui ont un an d'abonnement? What the fuck? J'ai pas installé mon Steam Deck. Ok. Si tu vas bien, Clem, c'est l'essentiel. En tout cas, si ça va mieux. C'était ça aussi ma question. J'ai pas mis mon petit Stream Deck à Tandé. Alors du coup, oui, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi, moi, Akiracham, j'ai un an d'abonnement. Je crois que Clem prend plusieurs mois, non? Oui. Par trois, je crois. Oui, mais quoi qu'il arrive, si aujourd'hui, Gérard, qui n'est jamais venu sur la chaîne, se paye 6 mois d'affilée. Il va pas avoir six mois. Ah. Et oui, il y a moi aussi. Si Gérard du 76, le fameux Gérard du 76, il prend 9 mois d'affilée, 9 mois d'un coup, pour supporter son streamer préféré. C'est moi. Et ben, il va payer 9 mois, enfin 6 mois, mais il va déclencher mois par mois, c'est son ancienneté. Au bout du troisième mois, il va déclencher son troisième mois, il va dire « Hey, coucou, ça fait 3 mois que je suis là, wouh !» Alors même s'il a payé 6 mois, voilà. Et moi, le truc, c'est que même moi, aujourd'hui, je fête mes 1 an, mais ma chaîne Twitch existe d'avant. Elle existe d'avant 2022, début 2022. Donc je sais pas. Étant donné que je ne peux rien faire à part être dans l'attente, voilà, j'essaye de relativiser. Oui, relativise. On en a déjà parlé. Donc je sais pas. Je sais pas du tout comment ça marche. Mais ça me paraît bizarre que des gens fêtent les 1 an aujourd'hui, alors qu'ils devraient fêter les 1 an début avril, quoi. La date de l'affiliation de la chaîne. Ça validait en avance. Mais c'est bizarre du coup, ouais. C'est bizarre que moi, j'ai 1 an aussi, quoi. Alors que moi, je touche à rien, juste je suis abonné à ma chaîne et mois par mois, tu vois. C'est bizarre, hein. En vérité, j'aurais déjà dû les faire hier, mais j'ai pas appuyé sur le bouton. Oui, c'est vrai, c'est ce que t'avais dit au début du live. T'as dit, on était en chargement et t'as dit, oh, je fête mes 1 an, mais je le ferai quand on sera sorti de l'intro. Et bah, en théorie, on est sorti de l'intro, là, hein. Une longue intro, quoi. Une intro de 24 heures. Donc voilà. Je sais pas trop ce que c'est, ce que quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous remercie de votre soutien. Voilà, exactement. Je vous remercie de votre prout. Et je vous remercie énormément de votre soutien. Et ça fait super plaisir de vous avoir... au quotidien, sur les streams, que vous dépensiez de l'argent ou non, hein, bien évidemment. L'argent n'est pas le seul moyen de supporter son streamer favori, et vous le savez. Merci de rien, au revoir messieurs dames. Exactement. Les meilleurs moyens de supporter votre streamer favori, eh ben, c'est d'être présent, de partager des choses dans le chat avec nous, d'être en lurk, de partager le stream avec d'autres personnes, avec votre entourage, c'est possible aussi. Donc voilà, en tout cas, merci. Parce que vous faites tout ça et c'est top. Donc merci beaucoup. Oh non, 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 oh non, 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 non. Alors, je vais démarrer le jeu vidéo afin de nous divertir pour cette soirée. Qui va mourir ce soir? On ne sait pas. Peut-être Clem, en vrai. Alors quand je dis Clem, attention, c'est pas Clémenti 3-1. C'est Clémentine et pas Clémenti. Et oui. Et oui, oui. Voilà, un petit peu de calme. Alors, je suis en train de configurer. Petite nouvelle. Si jamais vous regardez... Non, tu vas pas mourir. Clémentine, pas Clémentis. Oh, ça ne déconne. Si vous regardez la fenêtre Twitch, là où je suis. Regardez, là, je suis dans une fenêtre. Oh, mon Dieu. Ah, attendez. Oh, je suis dans une fenêtre. Ah. Voilà. Et que, y a la page là, vous avez la page, en bas, il y a la bio.
En bas, il y a la bio. Dans la bio, j'ai rajouté un petit truc qui s'appelle Stream Avatar. Qu'est-ce que c'est, Fatchko, Stream Avatar? Oh, ça ne déconne. Ce sont des petits personnages que vous pouvez personnaliser et qui vont s'afficher à l'écran. Si vous êtes présent sur le live, ils vont s'afficher. Bon, là, pas ici. Ils vont pas s'afficher ici parce que c'est pas configuré comme il faut. On n'a pas le temps. Non, mais bien sûr, je suis en train de démarrer le jeu. J'en profite pendant que le jeu démarre. Et du coup, vous pouvez personnaliser le truc et on sera sur le... Voilà, ouais, go la commu, voilà, c'est ça. Alors, let's go, on en parlera une prochaine fois. Je me suis fait... Alors, ma femme, Bébé Pixel, qui est présente sur le chat, hein, peut-être, hein, me disait tous les soirs... Oui, The Walking Dead commence plus tôt, tatati, tatata, machin, tout le temps. À chaque fois qu'il y avait The Walking Dead, c'était commence plus tôt. Là, ce soir, c'est non, mais c'est le dernier épisode avec Clem, vas-y tranquille, même si l'épisode, on peut le faire en 3-4 streams, c'est pas grave. Non. On le ponce, on finit tout ce soir, là. L'ultime saison. Baby, oh non, non, non. Episodes. Attendez. Je regarde un truc, là. Est-ce que là, il y a les trucs sombres, là? Il y a pas, hein. Il y a pas, hein. Bon, bah, tant mieux. Donc, ce soir, The Walking Dead... On fait l'épisode 4. L'épisode 4 qui s'appelle Retrouvailles. Retrouvailles. Pourquoi l'épisode 4 ça s'appellerait Retrouvailles? Parce qu'on va retrouver tout le monde. Parce que tout le monde est perdu là. Tout le monde est disparu, vous vous souvenez? Ok, on va voir ça. Last time on The Walking Dead. Oh, c'est AJ qui parle. Since I can remember, Clem's always been there with me. She taught me to be careful, to be quiet, to be strong, to always aim for the head, to kill people that try and hurt us, to show mercy sometimes. I always listen to Clem, always, but I've been thinking more. I don't know if she's right every time. She told me to leave her if she got bit. That doesn't feel right. We're doing a lot of bad things. To save our friends. To protect our home. But when Clem told me not to shoot Lily, and she killed James, I got mad. So mad. Feel anymore. I don't know if Clem knows either. But I remember all the rules. And the first one is never go alone. Ma manette s'est cassée la gueule. Elle vibre tellement. La casquette. Oh non. AJ,
You have to trust me. On the count of three, let go and I'll catch you. Promise? Promise? One, two, three! Hurry, Clem! I'm slipping! Now what? We need to find a way down. This ship isn't gonna stay afloat much longer. There! We can climb down from there. We have to get there first. Okay, we've gotta jump. It's far. I know it's far, but it's the only way. Oula. You'll have to go first. You'll need a running start. I don't know, Clem. Come on, you can do this, AJ. Just run and jump. You got this. I got this. I got this. AJ, what do we do when we're scared? On respire. Better? Better. Wow. Bien joué. Allez, Clem. Oh, bordel. Allez, Eiji. Commence fort cet épisode, hein. Oh bordel. Wow. Ça va? Ça va, Eiji? Il a été éjecté, mais... Vous êtes morte. Je pensais que j'avais eu. Je pensais que j'avais appuyé sur le truc. Merde. Vas-y. Prends ton pied, frère. Fais ton pied, frère. Allez. Ouf. La tête, vraiment? Bon bah ok. Come on. Le masque de James. C'est qui? Oh putain la pute.
if I were you. You already had your chance. I could have done the same back at your school. I'd say we're even. Let's both just turn around and walk away. Shoot her, Clem. She stabbed James in the back. Don't waste your arrows. This is over. You're really fucking good at abandoning your people. This time, it's a raft instead of an RV. I'm a survivor, Clem. I know when to cut and run. Without reinforcements, my people will lose their war. They'll die because of you. The Delta was the first place I called home, after years of wandering. After this, there won't be anything left to go back to. It was us or them. I'm glad it was them. Today, it's them. Nothing lasts, Clementine. Not friends, not love, not the place you call home. They'll all fall eventually. Never forget that, or they'll drag you down too. You're pathetic, Lily. I hope you can live with yourself. I hope you get bit out there. On peut se casser là. J'espère que c'est pas trop fort chez vous. J'espère que le son est bien géré. N'hésitez pas à le dire si vraiment c'est trop fort, si le jeu est trop fort par rapport à ma voix ou inversement. Pensez à votre confort auditif et visuel plutôt que de penser au mien en priorité. C'est important. Nikhil. Merci. Merci pour le retour. You're still alive. You have no idea how happy I am to see you right now. Get the fuck off of me! Are you okay? Putain, son doigt, yeah. Quoi. My ass is a little singed, but I'm good. I was so afraid you... Me too. But we're okay. We're both okay. Lou. What happened to Minnie? I don't know. I lost track after the explosion. Clem! Ah bah oui. Ça va ramener du monde, ça. Oula, ça pue pour eux. Oh, thank God. You guys made it. Fuck.
there's more walkers than I can count. The explosion drew them right to us. Stay cool. We knew this would happen. We just have to get off this beach. Look! We've got the cart around. Ruby! Willie! Come on! We're getting out of here! There's no end to these little shits! Put them down! Oh! Non, 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 non. Putain, j'ai cru qu'elle allait le flinguer. Ah, c'est fini ma gueule. Ah, bah tiens, Minnie. Ouais. Ah putain. Elle est mordue. 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 We've got a break for it. Now. Everyone run for the cart. I'll stay back and cover you. I'll be right behind you. The second I see an opening, I'll make a break for it. I'll see you on the other side. Damn right. AJ, go with him. No, I'm staying with you. Thanks, kiddo. Ok, il reste avec nous. Je pensais qu'il fallait qu'on prenne la décision. Allez, allez. C'est fichu pour elle, c'est fichu pour elle. Vous n'avez plus votre couteau, ok? Donc encore à corps, c'est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, Tin! Tin! Go! Ok, je le récupère. Très belle façon de donner un couteau à quelqu'un. Ils ont bien chacun une façon de se déplacer différente et tout, c'est cool en vrai. En vrai, il est bien foutu le jeu. Ils l'ont bien fait celui-là. Pour l'ultime saison. Walkers in the other direction. But move it, dummy. Shit.
Putain, ça va être un cauchemar là-dedans, là. We're safe, but not for long. Damn it, it's so dark in here. This sucks. This really fucking sucks. I'll figure something out. Fabriquer une torche, ok. Silex. Perfect, Flint. I need something to burn. Flint. Qu'est-ce que c'est ça? Ramasser, jouer. Oh. C'était la femme de Disco Broccoli ou quoi? J'ai pas de casque, mais je dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Dankreed. Comment ça va, Dankreed? Je vais avoir un live chez quelqu'un pour DigiDR. Je te salue avant de commencer. Oh, trop bien! C'est trop gentil! Vous êtes gentil quand même, hein? Merci beaucoup, Dan. Ça fait super plaisir, vraiment. Ça fait super plaisir. C'est une petite attention que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve ça trop mignon, je trouve ça trop chou, j'adore. Merci beaucoup. Du coup, quand tu dis que t'as pas de casque, ça veut dire que tu m'entends pas? Parce que si tu m'entends pas, juste... Voilà. Plein d'amour. J'aime bien la voix de Ten. Trouver un moyen de traverser. Là, on pouvait faire un truc avec ça, non? Qu'est-ce que c'est ça? Might look nice in our room. Just have to get home first. Rocks are too small to walk across. But they might stop something flowing down river. Ah. Ah. If I yanked that out of there, it would drift down the river and get caught in the rocks. Could work as a bridge. Hey, let's go. Okay, we just need to go across one by one, and then we'll move the rocks out of the way. And then I'll take ah. Ten. Non hein, pas Ten hein. Non, c'est un zombie. C'est pas lui. C'est... Va falloir prendre une décision si on le tue ou pas. C'est horrible. C'est horrible. Recule, 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 recule. Putain, c'est James. Tellement calme, James. Par rapport aux autres, j'ai l'impression. Enfin, peut-être pas. Oh mon dieu. Allez, Clem. Allez, allez, allez.
Ah bah ils sont cons, oui. Allez. Salut. Il est encore là, James ? Il est encore là. Oh bordel. James. Bon, au moins il a rejoint les siens, quoi. Ça se trouve, il a encore une âme, comme il disait. Celui le sait, du coup. Un grand homme disait qu'il fallait toujours suivre son flair. Sophie a son flair, Sophie a son nez. All right, which way do we go? Ten, do you see a light down any of these tunnels? AJ, still with me? AJ, please. We have to keep moving. There's nothing after this. What? James isn't in there. He looked right at me, and his eyes were empty. There's nothing after we die. Nothing but empty eyes. AJ, I know he was your friend, and I know this is terrible. Please don't say you're sorry. Okay. Oh. Why did you make me make my friend go away? Everything is just wrong. Like something spilled on the floor, and you just can't get it back. Because you didn't let me shoot her! AJ, every time you kill, you become a little harder. I'm scared of what you might become. I know I said you were justified in killing Marlin. Maybe that was a mistake. A mistake?! You say don't be soft, but everything that you do just messes up my head! Be strong, be brave! If something wants to hurt us, shoot it right in the head! AJ... When we were talking with Abel, you stabbed him and stopped him from becoming a monster. You made killing look so easy. AJ, please, that's enough. I'm sorry. I'm just scared something will take you away. Aren't you scared of that too? Having to leave the world behind? And me? Listen, kiddo. Everyone is scared of dying, of what happens after. Especially if it's nothing. I don't want people I care about to leave, Clem. I have to kill anyone that tries to take them away. I do. You told me I was right to kill Marlin. But I think you were confused. By what? It was murder. And I was still right. I don't think that murder means the same thing as it did when you were little. In a world that's gone now. I think that murder now is just protecting the people around you. Murder is a thing that makes us safe. Enough, AJ. Murder is murder, nothing else. A human life is precious. No, food is precious. Bullets are precious. We need those to live.
But we don't need bad people who make things wrong. You're too young to understand. You're just a child. So are you. C'est vrai. I know you want to be big for everyone, but you're just a kid. Like me. Sometimes you're scared, just like any other kid. So I'll help. You said all the policemen and firefighters died. So I'm gonna be a new one. Even if I don't get it just right, I am. Because all it means is killing bad people who hurt other people. And I'm good at that. Like, I think I could be the best at killing bad people. Better than you, even. Because I wouldn't hesitate. I need you to trust me, Clem. That I can tell the good people and the bad people apart. That I know when to use my gun. And that you'll let me decide for my own. Putain. Est-ce qu'on le laisse se démerder? Ou est-ce qu'on lui dit qu'il est pas prêt? Il veut tuer tout le monde. Il veut tuer tout l'univers on n'arrange pas les choses par le meurtre. Démerde-toi. Firefighters have to make the hard calls. Which means they deserve our Qu'est-ce trust. Que j'ai fait? J'ai créé un monstre. Killing people doesn't make me happy, Clem. J'ai créé un monstre. Et peut-être que c'est bien de le laisser se débrouiller. Peut-être que je... Non, c'est pas bien. Il va buter tout le monde. Si on l'arrête pas, il va tuer tout le monde. Non, y a rien qui va là. Y'a rien qui va du tout. Mais on a créé un monstre, c'est lui le monstre. Il est devenu le monstre. Il combat les monstres, mais c'est lui le monstre. Ça va être un sacré personnage, lui, plus tard, hein. Oui, évidemment qu'il est pas prêt, il a même pas 10 piges. Ouais, bien sûr. Mais il parle trop bien aussi. Eddie recherche votre approbation avant tout. D'accord. Vous avez renforcé sa confiance en soi. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je sais pas si on l'a renforcé du bon côté, mais... En vrai, il parle trop bien. J'ai pas l'impression qu'il a moins de 10 ans, moi. Quand il parle, il me donne pas cette impression de gamin de 10 ans ou moins. Hein. C'est un truc de fou. Il parle trop bien. Sim was the third. Huh? Le troisième. T'inquiète pas, Ted, on va pas t'engueuler. The day after AJ killed Marlon, you already know Violet and I voted for you to stay. Sim was the third vote. Wait, that means... Omar voted us out? And Ruby? Yeah. Okay. Huh. What made you think of that? Asim said you knew how to survive. He could just tell the school would be safer with you there. I voted for you because I liked you. But his reason, it was better. J'aime bien Ten. I just thought you should know. Asim was right. We were safer. We were more scared than we let on when you met us. That's really nice of you to say, Ten. Thank you. That's okay. Now that we're out of danger and going back home, it just made me think of it. I like a sim. If Marlon was still in charge, we'd be taken away to wherever, or dead. Instead, we fought back because you showed us how. We weren't safe with Marlon,
even in his safe zone. We were just hiding. C'est les copains. C'est les copains. Ah. Violet. You made it. You're all alive. I couldn't believe you were really dead. I had to try and find you. You did find me. Did everyone else escape? Yeah, they're okay. They took the cart and headed back to the school. We're safe, Clem. All we gotta do now is find our way home. Any idea which way that is? I know an old bridge near here. If we cross it, we won't be too far from the school. Okay. Ça va la main là. Y a pas de pansement, y a rien, hein, putain. How's your hand feeling? It'll be fine once it scabs over. At least I can still flip people off. Silver lining, I guess. Well, we were looking for you guys, and I thought you might be gone for good. Oh. I was trying to figure out what I'd do if you were gone. And I realized how goddamn stupid I was about Minnie. For a whole fucking year. I was so wrapped up in losing her and Sophie, I pushed away everyone who tried to care about me. Marlon, Rhodey, Louis, even you and AJ. I tried my damnedest not to care about either of you. Because you were afraid of losing someone else. It's understandable. I was a goddamn coward. I'm not a coward anymore. Jesus, everything's so different now. Me, us, the school. I remember how Marlon described it, what we were gonna turn Erickson into. It's not the way any of us pictured it. How did you picture it? I guess I couldn't. I just listened to what Marlon said. How it would be a home. A real one, but I couldn't really wrap my head around it. My family lived in a trailer. Okay. What about you? Where'd you live? I lived in a house with my mom and dad. Fence around it, big backyard. What was your favorite part of the house? The cabin. I had a treehouse in the backyard. I used to take my walkie-talkie up there and play for hours. I'd pretend it was a ship and I was the pirate captain. Or it was an igloo and I was a hunter. Or a castle and I was a princess. Really? Like with frilly dresses and a tiara? Yeah, but also a sword. A warrior princess. Yeah, obviously. Mm-hmm. And that treehouse kept me alive when all this started. That's where I hid. You know, Erickson can still be the home Marlon promised. As soon as we get back, we'll start rebuilding.
It'll be a lot of work, but you're right. It is worth it. Hell, we could even put in a treehouse. Mm-hmm. We've already got a bell tower. Okay, we'll build a bell tower house. Perfect. After all that's happened, it's still hard to imagine. I mean, we fought for it, defended it. It should feel more like home than ever, but it doesn't. You know what the problem is? That stupid fucking name, Ericsson. On peut changer? You ouais. Want to rename it? Yeah, fuck that guy. We should name it something cool. Threatening, but not like scary. Something that makes assholes go... Château Violet. Je te laisse décider. Stay away. But not like blood murder knife house. You name it. It was your idea. Texas. We're calling it Texas. You can't just name it Texas. Fine. Texas too. I want to help rebuild our school. You will attend. We all will. We can start as soon as we get back. Let's get home to Texas, too. Ils sont où les autres là? Ils sont déjà là-bas? Oula, ça pue. Hein. Okay, just take your time and keep moving forward. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Ça tremble. Ouais, pigeon. Ça c'est plus des corbeaux mais. Des corbeaux bizarres quoi. Ça suit derrière ou... Ah. Ah. Oh putain! Ça sent mauvais ça, les gars. That's far. Really far. Should be able to jump it. It's not that far. Yeah, I think we can. We just gotta be careful not to land too hard. C'est qui chante? C'est Mini. Oh putain, c'est Mini. Oh la folle. Mini? Non, 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 antenne, non. Oh putain, elle chante pour les emmener. Non mais, s'il te plaît, quoi. Oh putain. Nantenne, non, 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 non. Oui. Yes, yes, I am. I'm finally going someplace better. I want you there with me. Where everyone gets to be a person again. Oh putain. We're gonna go be with Mom and Dad and Sophie. Ten, look at me. I know that looks like her. Your sister is gone. I'm... Don't you fucking speak to him! Any of you! Please!
He needs to be with his family! Don't do this! Don't worry, Ten. She can try to stop me. But I am not going anywhere without you. The night will be over soon. Genre dans quel monde elle se fait pas bouffer quoi. Il y en a beaucoup, hein. I got AJ across, but Ten won't budge. I have to stop her. Ah! Trop bordel. Oh non, l'arc. C'est joli ça. Non, Ten, allez Ten, allez. Get across. I'll get Ten. Ah putain, comment je vais faire pour traverser moi? Achève-la, achève-la. Let him go. You'll die if you don't. Non. Non. Violet, please jump. Oh my god. Oh my god. No, no. That's right. Come with me. You wouldn't ever see Texas 2 if I didn't. I did it for you. For me. I can't. Ten is gone. That soft little boy who liked to draw, he's gone because of you! Now's not the time, Violet. We can talk about this later, when we're safe. There's nothing to talk about. I didn't want to shoot him. He was my first real friend. But he was messing up again, just like when he got Mitch killed. So I had to decide. Clem said I could, so
Oh putain, on a fait ça. Ah, attendez. Je viens de réaliser des trucs là. En plus, le jeu, il nous l'a dit. Il y avait marqué en haut, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a marqué... Vous avez fait confiance à Eiji pour qu'il prenne les décisions difficiles. En lui disant qu'il était prêt, il va faire les choix difficiles à notre place. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Je l'avais dit. Bah oui, ouais. Bien sûr. Mais putain, je... En vrai, la tournure, elle est super folle. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Le truc de... ouais, t'es prêt pour prendre des décisions, machin et tout. Je pensais pas que ça allait influer sur... Enfin, si, ça allait influer sur le jeu, c'est sûr. Mais pas en mode, ok, les choix difficiles, c'est lui qui va les faire, quoi. C'est fou, ça. Hein. Ça, c'est dingue. C'est dingue. C'est fou. Ça, c'est une sacrée conséquence, hein. Putain. Oh là là. Allez Clem. Allez. Bah oui, bien sûr. Non. Non 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 non, la botte. C'est la botte, c'est la botte, c'est la botte. Ah, dans la plaie. Non. Clem, your leg. Elle était mordue dans la jambe ou pas? Allez. On voit une morsure ou pas? On voit rien, on voit juste que c'est ouvert. Ça c'est moche. Hein. J'ai pas l'impression qu'elle soit mordue. Si. Putain. Ah, ça a pas transpercé. Si. J'ai pas l'impression que c'est transpercé. I got bit. Ah si. Come on. We can't stay here. Keep moving forward. Keep moving forward. Keep moving. Keep moving forward.
forward. Putain, j'y crois pas, quoi. Clem s'est fait mordre. Ouais, moi aussi, mais je sais pas si t'as vu, mais on dirait qu'elle s'est fait mordre, mais c'est juste des marquages sur la peau. On dirait que c'est pas... Est-ce que je veux dire, c'est pas déchiqueté, c'est pas mordu dans la chair, quoi. On aurait dit juste des traces sur la peau. Mais elle l'a dit, je me suis fait mordre. À côté de la plaie, à côté, qui était complètement ouverte, ça faisait des petits marquages sur la peau. Hey, I love you. Don't ever forget that. Ah, pardon. I love you too, Clem. Clem. Moving forward. Look! James's barn. It's empty now. We'll be safe in there. Il y a un tir, c'est qui? Ok. Allez Clem. Allez Clem, courage. Move! Go AJ, run! I'm right behind you. Allez AJ. Allez! Allez! Come on, Clem! We can make it! Il est adorable. Il est adorable, même s'il tue des gens et c'est lui qui fait les décisions, il est adorable. Allez-vous-en! Ah oui, c'est ce que je fais. Ouais, c'est loin. Le contrôle de AJ.
get those pin doors closed before they break through. Putain, Clem, quoi. On prend le contrôle de Heidi. Ok. J'aime pas parce que ça veut dire que bah, on a plus le contrôle de Clem. Et si on a plus le contrôle de Clem, ça veut dire qu'elle va crever. J'ai pas envie qu'elle crève. À quel moment il ouvre la porte? Oh putain, maintenant c'est Clem. Putain, on contrôle les deux quoi. C'est le rush. Cool le gameplay. Il est tout petit. Cauchemar. Good job, Agent. You did it. Oh putain, elle est super pâle. Now what? You need to find a way out of here. We could climb up there. The monsters can't reach. Let's go. Easy climb. Come on. Ça me rappelle une scène qu'on a vue dans la première saison. Elle a perdu du sang aussi, oui c'est vrai elle a perdu du sang, mais il était dans cet état là aussi, il dit après s'être fait morte, c'est pour ça. Mais oui, trop rapide, oui, c'est vrai. C'est vrai. But it wasn't supposed to happen to you.
My little goofball. It's Alvin Jr. You'll always be goofball to me. Hey, look at me. Hey, Jane, please. You're such a cutie. How did I get so lucky? Silly right now. Not right now. Please. I just wanted to see you smile. One last time. Don't say that. Please. Don't say that. I need to make sure you remember. Remember what? The rules. What's number one? Never go alone. So I can't leave. Not without you. AJ. It's your rule. You won't be alone. Not for long. Get back to the school. I don't know how. Sure you do. One of the first things I ever taught you. You need to make sure they can't smell you, so... Fresh, juicy walker just waiting to be gutted. Grab that axe. You know what to do with it. Next rule. What do we do when the monsters come? Clem. AJ. Shoot them in the head. Got any more ammo? There isn't any more. Okay, then. Fuck. And the last rule. I want to stay with you. I know what'll happen. And I don't care. I don't want to go. I just want to sit next to you and... stay. Like that monster couple from the train station. No one would hurt us. Just sitting. Forever. Please. Stay. Oh, sorry, kid. But no. I have a job for you. I need you to get back to your room. I need you to sleep in your bed and have friends and grow tall. Taller than I ever was, I hope. I need you to live, AJ. For me. That's your job now. Okay, Clem. That's my job. Last rule. No! What do we do if I get bit? Are you gonna make me say it? Turn into a monster. You have to.
qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? On a rien vu. 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 Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pas buté. Il l'a pas buté. J'y crois pas. Bah là, elle était pas morte, pas encore. Et non, 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 il l'a pas buté maintenant. La jambe? Ouais. Ça paraît logique, la jambe, en vrai. AJ, I'm coming. Oh, c'est le ranch. C'est le truc qui s'est passé au ranch, je sais pas quoi, et qui parle depuis je sais pas combien de temps. David ? I'm looking for a boy. He's about 3 years old. His name's Alvin Jr. Temps pour ces conneries. Please. Oula. Please. Please kill me. On peut faire ça? Where are the children? It hurts. Oh my god, it hurts so bad. Kill me. Oui, 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 oui. Si, si, j'ai brûlé ses souffrances. Kill me. Maninou. Tiens, Maninou. On est en train de buter tout le monde, mais... Je peux pas faire autrement, en vrai. Hein. Enfin, le jeu me laisse pas d'autre choix, j'ai l'impression. C'est des enfants, là-dedans ?
Ouais, tu l'as buté, ouais. Il a été éclaboussé du sang de la nana. C'est moi, Clem. Prendre la voiture, non? Non, c'était pas cette voiture-là qu'on avait? Ouais, c'est ça. Okay, now, where to? Can't go back to Richmond. This whole area is a war zone. Gotta... go? Yeah, we have to go, AJ. This place, we can't stay here. It's not safe. But it's okay, we're survivors. And the first rule of survival is... never go alone. Never... go alone. Clem? Yeah, that's right. AJ? Okay? We're gonna be okay. Everything is gonna be okay. I know where we'll go. We'll go find ourselves a new home. Together. And I'll never leave you again. Together.
Alors ? La jambe ou la tête ? Il n'y a plus de rôdeurs, ils sont encore à la grange. Gotcha. Rosie ? C'était la grange ? Non, c'était pas la grange. Oh, il est en train de pêcher pour la commu du coup. C'est quoi ses choix ? Who's a good girl? It's you, Rosie. Goodest girl in the world. Donc il est en train de récupérer à manger pour la... pour les enfants. Est-ce que Clem est là-bas? There we go. All right, girl. I'm gonna go put the spear away. Stay here and keep watch. C'est la grange ou pas? Non, c'est pas la grange. Hein. Non, c'est pas la grange. V plus M. Looks like a bad place to sleep. It's getting kind of cold. I'll bring some sticks and stuff next time. Nothing good. I should tell Willy this is here in case we need more bombs. V plus M. Violet plus Minnie. Ah oui. She used to be their friend. How can someone just make that go away? Beds are pretty good. Better than the ground. This place is cursed. Oh, that's scary. And mean. I think this place is good. Ok. Du coup, tu le ranges où? Parce qu'à la base, on voulait le ranger. À les portes? Là. Oh, c'est un grand harpon, ça, à côté. Mets-la, Rosie, mets-la. Good girl. Oh putain, c'est Ten.
always aim for the head. Sorry, Tin. I know. Me too. Let's go home. Let's go home. Elle est gentille. Sacré chien de garde, hein, cette Rosie. Hein. Ouais, sont ensemble. On n'a pas vu Louis. What you doing there, goofball? Ah oui. Oui. Easy there. Ah yes. Ah, je suis tellement content. Allez. Oui. And you have wood arm legs. Crutches. Crutches. I found your hat. It was in the creek down by the shack. Yes. I thought I wouldn't get it, but Rosie jumped right in and got it out of the way. It's all wet now. It's definitely seen better days. You know what? You keep it if you want it. I'll put it in our room. I have a surprise for you too.
Come with me. I want to show you something. Oh yes, Clem est là. Oui. Oh, je suis trop content. Trop bien. Bonsoir. It's for me? Yep. Willie helped me put it together. Come on, let me push you. Hmm. I'm flying! You sure are. Higher! I'm trying. Food's ready, everyone! Come and get it! You're the best, Clem. T'es la meilleure et t'es vivante en plus. Come on, let's go eat. We're coming. Ah, Louis. Putain. Oh putain. Le regard de jugement qu'il porte là. Putain. Ah, ça te fait rire, toi, hein? What? It's good. Seconds, please. Already? You even taste that? Idiot. Yeah, that's the spot. A sim says he saw 10, 15 of them, a little bit past the old safe zone. I want you to go. You're the boss. We need to know who they are. Maybe even see if they're willing to trade. Just keep your distance until you can make a call. Who are? A group of survivors out beyond the old safe zone. Some kind of caravan. Are they bad people? How about you back me up, and we'll find that out together. Word on the street is you're a good running buddy. Best. Sending Violet's smart. She knows what she's doing. Back at you, kid. That's why I want you to come with.
It'd make me feel a lot better if you went. This is the part where you tell me you'll be really, really careful. Mm-hmm. You okay? Just getting tired. Hey, walk with me a sec. Gotcha. Sorry. It's okay. I stare at it too. If it was just you and me alone out there, and I was like this, I don't know if I'd make it 2 weeks. I'm gonna need these to go anywhere. And if we ever had to run, it wouldn't be pretty. It's okay. I'll make you a new foot. Oh, yeah? There must be a foot-making book somewhere. I'll ask Willie. Okay. Find me the foot book. Livre sur les pieds. All this. It's worth it. All those times you would ask me if we'd find a home. All I could ever tell you was, we'll see. And your face would fall every single time. It's better than saying yes and lying to me. And that's what I told myself. But you want to know something I didn't tell you? I never had a plan. I never knew where we were going. I never knew anything. I just fought and fought and fought. And hoped you didn't notice. Hoped we'd find something before you did. Did I do a good job? Of course you did. What are you crazy? Maybe a little. A lot more than a little. When we were in the barn, you didn't listen to me. And if you had, I'd be dead. C'est vrai. I was right to trust you, back in the cave. To make the hard calls, even when I couldn't. You'll have to be strong for the both of us. You made it so I can. So, thank you. For everything. You're welcome for everything. Okay, okay. In you go.
That looks like it tastes bad. I won't lick it. I won't. I don't know how this works. This seems like really hard drawing. I'll ask Clem later. Still scary. Why did Clem collect so many skulls? De base, on les prend pour AG. Et lui, il se dit, putain, mais pourquoi elle... Pourquoi elle a pris tout ça? Like it's protecting us. Hi, trop bien. I miss you, but I'm gonna pretend this is you still watching out for us. I think you like that. I hope so, at least. It's so cool looking. I wonder if it has magic powers. Nah. It's too bad he won't be able to draw another one. I hope you have extra crayons wherever you are, Tin. You know what? I'm a great artist. You hear me, Rosie? Oh, great. Hey there, Alvin Jr. You ready to rock? Cool, Disco Broccoli. Like, the coolest. I wonder if you're hungry. For bugs. In a box. Ouais. Bravo! Bravo le jeu! Ah. Trop bien. Trop bien. Attendez, on fait les petites stats là. Après on débrief un peu là. Vous et 64% des joueurs avez fait confiance à Eiji pour qu'il prenne ses propres décisions. Oh, on est beaucoup quand même à avoir fait ça. Hein. On est beaucoup à avoir fait ça. Beaucoup de gens sont pas responsables. Vous et 64% des joueurs avez laissé Violette renommer l'école. Parfait.
Vous et 23% des joueurs avez demandé à Eiji de partir et de vous laisser vous transformer en rôdeur. Ah bah, je suis resté sur la première décision qu'on avait posée au début, hein. On lui avait dit de partir, de s'enfuir. Vous et 60% des joueurs avaient tiré sur Ten après qu'il se soit transformé en rôdeur. Ah ouais, hein, c'était la meilleure. Hein. En mon sens, c'était la meilleure. Hein. Grâce à vous et 12% des joueurs, Violette s'est sentie... Ah, il n'y a pas le mot. En apprenant vos sentiments... Il n'y a pas le mot. Normalement, il y a le mot en dessous. Elle était dévastée par le sort de Ten, tu m'étonnes. Ten, décédé. Lily, à cause de vous et 50% des joueurs, Lily s'est sentie honteuse. Chè ! Point d'exclamation orge dans le chat. O-R-G-E. Très heureuse, il y avait écrit ? Rien que moi. Grâce à vous et 12% des joueurs, Violette s'est sentie. Vous voyez quelque chose, vous? Et dans le retour, je vois rien. Je vois rien, hein. En haut, j'avais pas vu. Ah! Lily honteuse. James mort. Bichette. Louis bouleversé. À cause de vous et 85% des joueurs, Louis s'est senti bouleversé. Dévasté par la mort de Ten. Oh. 3 objets sur 4, c'est quoi l'autre? C'est un espèce de crâne? Tout en bas? Ce que Clem m'a appris, la première fois à faire quand? La première fois à faire quand on arrive dans un nouvel endroit, c'est de vérifier les fenêtres. Toujours viser la tête. Quand on présente ses excuses, on doit être sincère, même si c'est très difficile. Il faut manger très lentement, sinon on risque de rôter, ou de péter très fort, ou de s'étouffer. Parfois, on a le droit de prendre les affaires des autres. Ah, je suis pas sûr, mais bon. Il faut... pas laisser les autres prendre nos affaires, sinon on passe pour quelqu'un de faible. Ah, c'est contradictoire par rapport à... Ok. Dormir dans un lit, c'est beaucoup mieux que de dormir par terre. Tu peux me croire. J'ai eu raison de tuer Marlon, parce que c'était un monstre. Si on a raison, on n'est pas obligé de présenter ses excuses. Quand même, hein. Quand on a peur, il faut penser à respirer. Les monstres seront pas là pour toujours. Tuer, c'est jamais facile, ni marrant. C'est très sérieux. Des fois, on a le droit de torturer les gens, je crois. Les docteurs peuvent soigner les traumatismes, mais ils sont probablement tous morts. Je pensais qu'il y avait peut-être des gens à l'intérieur des monstres, mais c'était débile. Il y a rien du tout à l'intérieur. Quand on a vraiment besoin de quelque chose, mentir peut nous faciliter la tâche. Ok. Un peu fort le son? Si ta grand-mère va bientôt mourir, arrête de regarder les dessins animés. Oh putain, c'est... T'as ceux qui ont suivi la saison... Violette, bordel, putain. Les pompiers doivent prendre des décisions difficiles. Et les décisions difficiles sont toujours injustes. Intéressant. Ah ah, trop fort. Oui, j'ai compris, le son est trop fort. C'était fou, hein? Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gens.
Mais what a saison, hein. C'était dingue, hein. Elle était trop bien en vrai, hein. Elle était trop bien. Donc là, c'est quoi? À partir de maintenant, c'est saison 1, saison 2, saison 3 et saison 4, on a fini. Donc ça veut dire qu'à partir de la session prochaine, ce sera Michonne. Hantée par son passé et menacée par son présent, Michonne pourra-t-elle garder son humanité tout en empilant les cadavres? Donc je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est les prémices de Michonne. Michonne, un personnage de The Walking Dead. Là, c'est dépression post-fin pour moi. Bah ouais, hein. C'était l'ultime saison pour Clem. On a eu 4 saisons quand même sur 5, hein. Moi, je pensais pas qu'il y aurait autant de saisons sur Clem. Je pensais qu'il allait avoir que le début, mais non, c'est... C'est vraiment centré sur ce personnage et waouh. Waouh. On l'a vu bien évoluer. On en a vécu des aventures avec Clem. C'était fou en vrai. Hein. En vrai, la saison, elle est dingue. Hein. Et je suis loin ou je suis pas droit? Je suis peut-être pas droit juste. Attendez. On va rester dans la dépression. Bougez pas, hein. Bougez pas, bougez pas. Alors, dépression, dépression. Voilà. Voilà. Ouais, sur les OST de The Walking Dead, du coup. Bon, les gens. C'était trop bien. Attendez, je me mets droit, bien, pour vous parler. C'était fou. C'était fou. Et il est quelle heure? Les 22h. Propre. Propre, 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 en vrai. Hein. J'ai beaucoup aimé. Bonne les jeunes. Et les moins jeunes. Bah bonne à toi. Hein. Bonne à toi bébé Pixel. Ah. Ah oui. Merci énormément. Merci d'avoir été présent et présent sur ce live. Sur cette aventure de The Walking Dead avec Clem. C'est pas fini The Walking Dead, ça continue. On continue de notre côté. Avec les épisodes de Michonne, la saison de Michonne qui doit faire 5 épisodes, j'ai même pas regardé. Bonne nuit Bépixel, et bisous. Et donc à voir comment ça se passe, mais on va la faire quoi qu'il arrive. Donc ce sera demain, demain à partir de 20h, de 20h jusqu'à 22h, on se donne rendez-vous pour l'aventure de Michonne. Le générique, je l'ai beaucoup aimé. Vous avez vu, il y avait des, les signatures des développeurs sur les murs et tout, c'était cool, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé, je voulais vous le dire, mais voilà, je vais le souligner, je le souligne maintenant. Donc voilà. Les amis, les copains et les copines, on va se laisser. On va se faire d'énormes bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, bien sûr. Du coup, on va voir ces deux frangins, Michonne, peut-être. Peut-être, hein. C'est les prémices de The Walking Dead sur l'aventure de Michonne. Donc on va en savoir beaucoup plus. On va en savoir beaucoup plus, c'est sûr, sur Michonne. Donc on verra. Je t'avoue que je ne sais pas, je ne me suis pas spoilé du tout sur l'aventure. Donc on verra bien. On verra ça demain. Demain à partir de 21h. Donc hâte de voir ça. Moi je vais aller pleurer. Dans mon coin. Parce que c'est la fin de l'aventure pour Clem. Et voilà. Je vous laisse les amis. Je vais aller me reposer pour être en forme pour demain. Je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne nuit. Passez le bonjour à Morphée de ma part. À bientôt dans la vie. C'était Aki. Des bisous.
Ah, Shay.